Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de War Tales. J'ai pas pu m'empêcher. C'est un peu comme Phoenix Point. Phoenix Point, j'ai fait genre la fin que j'ai eue, on va dire, normalement. Et après, il y a encore trois autres fins à récupérer. Et j'avais pas envie d'arrêter le jeu ou alors de l'effacer parce que j'avais fait un peu vraiment tout le tour du jeu avec les DLC et tout ça. J'avais pas envie de l'arrêter jusqu'à ce que j'ai toutes les fins et que je puisse les montrer. Du coup, voilà. Là, on va faire pareil pour War Tales. Et à noter que pour Phoenix Point, j'aurais pu m'arrêter. Et après, ça m'a duré à peu près un bon 5 ou 6 heures supplémentaires pour avoir toutes les fins que j'ai montrées en vidéo. Voilà, c'est mon cerveau. Mon cerveau a un problème. Il a des compulsions bizarres de temps en temps. Et là, c'est ce qu'on va faire. Là, on va faire donc les terrains de roost. Donc, on en a 4 ou 5 à faire. Donc on va faire ça. C'est bête dans un sens parce que j'ai fait celui-là et je pense honnêtement qu'en fait il est pas lié à l'histoire. Je pense que le seul qui est lié à l'histoire, mais je suis pas sûr de ça évidemment, ça serait potentiellement celui-là pour compléter les zones en fait. Et après tout le reste non, tout le reste en fait apparaît après que vous ayez joué pour la première fois ici, comme ce qui s'est passé en fait. Et du coup, je pense pas que celui-là était vraiment lié à l'histoire. Mais bon, on l'a fait au final. Ouais. Donc on va faire le reste. Car c'est tout ce qui nous reste à faire. Tout simplement, c'est ce qui nous reste à faire. Donc on va le faire. Ce qui est un peu embêtant, c'est que je suis pas allé voir les autres terrains de route. Donc apparemment, il y a des quêtes à chaque fois. En tout cas, c'est ce qui paraît. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire pour les autres. Mais on verra. De toute façon, je couperai au pire si c'est trop long et tout ça. Alors par contre, je suis allé regarder... pour le terrain de roost. Donc la dernière fois, si vous avez vu le dernier épisode, on était là, il fallait demander l'accord d'un caporal. Attendez, parce que j'ai un screenshot. Oui, d'un caporal et d'un lieutenant. Le caporal, il fallait lui demander le formulaire 6B, on l'a trouvé. Donc il était bien au camp de la Légion. Et devinez où il est, le lieutenant. On se demande, hein. On se demande. An official request to the Empire. Look, mercenaries, this could seriously jeopardize my career. I really want to play, but... But? British, yeah? British? Yes, you're right. Worst case scenario, the quartermaster refuses, right? Enfin, je sais pas si c'est vraiment anglais, mais ça fait marrer. J'adore cet accent, en fait. J'ai un faible pour les accents purement anglais avec l'accent. British, genre quand ils disent bottle of water, c'est bottle of water. Je sais pas, j'arrive pas à faire les accents. Ah, faut que je m'entraîne à faire les accents. Bref. Which form do I need to send again? Alors, t'as de la chance parce que j'ai la technologie de mon côté. Donc le 5790G. Donc ouais. Bon, après, ça va, les lettres et tout se change. Donc il y a que. En fait, il faut simplement retenir la dernière lettre. Le premier c'était le 6B et là c'est le G. Very well. It'll be done as soon as possible. Okay, merci. Excellent work, mercenaries. Now, we just need to pray to the God of Light while we wait for an answer from the quartermaster. Ouais, prie pas trop fort parce que le machin il va venir, l'ombre là, elle va mettre des éclairs partout, tu vas pas kiffer. Bon, c'est bon. Excellent work, mercenaries. Faut peut-être sortir et rentrer. Ou alors faut attendre peut-être des heures. Ah. Excellent work, mercenaries. Now, we just need... Faut attendre la réponse. Faut vraiment attendre la réponse sans déconner. My heart and soul into... Oh merde. Wait. You think I'm wasting my time? Legionaries promised me a lot. Je sais pas du tout. Je sais pas, je pense qu'il faut attendre en fait, vraiment attendre des heures. J'ai pas envie vraiment de... Oh! Message d'intendance... Attends, pause. Message d'intendance à l'Empire Médovant est parvenu à Arthès et route autorisée pour le légionnaire. Ok, cool. Nickel. J'allais me reposer en fait et faire passer une nuit au pire, mais j'avais vraiment pas envie de gaspiller de la nourriture pour ça. Finally, mercenaries! We've got the authorizations we need. Colonel Rivera's can't stop us now. So, how about a match?
After all this time, our players can't wait to get back on the pitch. Segmenta de la tête brûlée. C'est une armure, ça? Alors, des obstacles jonchent le terrain. Vous devez les contourner pour marquer. Ok, on reprend les mêmes avec Laura. On devrait mettre Laura ici. Attends. Comment on peut choisir un compagnon inspecté? Genre Laura. Parce que en fait maintenant il y a plus de monde, du coup ça m'avait fait sauter. On avait pris qui, Cilia? Ouais, on a trois. Et toi, tu fais le Captain. Captain, il a plus de mouvement. Ouais, toi, tu vas faire... Ouais, on augmente les avoines sur les lourds et après on augmente le mouvement sur les rapides. Ce qui est théoriquement logique. Parti. Et après, je sais pas ce que, sur quoi je vais me lancer. Peut-être je vais relancer FF12. Peut-être. Peut-être relancer FF12. Ça va faire 3 ans, je crois, que j'essaye de le finir, FF12. Zodiac Age. Comme ça. C'est bête que ça soit... Eh ouais, c'est le capitaine qui a la balle, en fait. Oui, c'est ce qui est logique. Comment on va faire ça? Chaud, 65%. Yes! Let's go! Oh, tu l'as jamais vu venir, celle-là. Il y a des FF que j'aurais bien... Parce qu'en parlant de Final Fantasy, j'aimerais bien en refaire certains FF. Mais les anciens, c'est chaud de chaud. Faire comme ça. Tiens. Genre, récemment, je regardais une personne, un anglais, un streamer, qui faisait du FF8. Je vais parler un peu de choses random, parce que là, on joue au... À la rouste, hein, c'est pas très très difficile. J'ai pas besoin, c'est pas du combat. Ah merde, on l'a pas bloqué. Et je regardais ça et je regardais s'il jouait à FF8. C'est la version améliorée, enfin la version remake là où on peut accélérer le temps, comme FF13 Zodiac Age. Alors toi tu vas. Tu peux voir les autres, le mouvement. C'est chaud. Ah, ils peuvent aller super loin. On va se mettre là. Là, normalement, il devrait pas pouvoir me toucher. Ouais, ok. Comme ça, on fait ligne droite là-bas. FF8. Et même avec la version accélérée, il y a tellement de conversations et tout ça. Après, les combats restent... Restent ok. Mais on va dire que ça... Surtout le 8, en fait. Le 8 a des combats superbes. On est d'accord, il y a des cinématiques qui sont vraiment très très belles et tout ça. Non, attendez, je vais refaire une phrase, parce que c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment que c'est beau, c'est du Final Fantasy, bref, c'est pas ça. Pendant les combats, en fait. On va se mettre là, on va le puncher. Ah, quoique, putain, il y a lui qui va se relever, il va me puncher aussi. Ah, je fais de la merde. Les combats en fait sont vachement bien parce qu'il y a des, il y a vraiment des superbes animations avec les, oh bien, avec les, j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Ah il a voulu me passer devant en fait et je l'ai bloqué. Avec les limit break, les Renzo Kuken de Squall et tout, super bien fait. Genre sûrement un des FF des anciens, je parle genre. Enfin, des anciens que j'ai joué, donc 7, 8, 9, le 10, on va dire que c'est une autre histoire parce que c'est PS2. Mais 7, 8, 9, c'est sûrement le 8 est sûrement le plus joli en tant qu'animation de Limit Break, je trouve.
Vraiment bien. Mais ce système qui marchait à l'époque, parce que, encore une fois, il y a 10 ans, 15 ans, on n'avait pas les mêmes vues des jeux. Alors, on va juste le taper. Ok, cool. C'est ce système de voler les magies. Et tous ceux qui ont joué à FF8 savent de quoi je parle. Le fait que vous devez tout le temps voler les magies en fait des monstres, des boss, de tout ce qui se passe. Parce que... Attendez, la balle elle est là. Toi t'as la balle là. Si je fais ça... Si je me mets là et que je fais la passe à lui, lui il peut partir avec la balle. On est d'accord ? On pourrait peut-être faire ça. On pourrait tester un truc. Je fais jamais de passe dans le jeu, donc pourquoi pas. On le protège en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça on avance un peu avec la balle. Ce système de devoir tout le temps voler, ça nuit au gameplay, mais incroyable. C'est juste incroyable en fait. Lui va me faire chier. C'est juste incroyable ce système qui nuit au gameplay de tout le temps voler en fait les magies. Parce que plus vous avez de magie, en fait les magies vous pouvez les associer avec les G-Force et tout ça. Et après certaines magies en fait vont augmenter votre force, vont augmenter votre vos HP, vont augmenter tout plein de trucs en fait. Ah du coup il a tapé lui et pas moi. Ah, putain, j'aurais pu garder la balle en fait. Oh, merde. C'est pas grave. Voilà, très bien. Hop. Let's go. Et des fois le combat en fait c'est ça, c'est survivre tout le combat pour simplement voler des magies. Et c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Vous passez genre... je sais pas, genre le combat il peut durer 5 minutes mais vous passez genre 25 minutes en fait. Vous passez genre 25 minutes... à faire ça, à vouloir voler en fait des magies pour avoir 102 magies à chaque fois. Et vous en récupérez, je crois que c'est maximum, c'est le 7 magies par vol. Qu'est-ce que c'est catastrophique. Là, on a fait un super match, je veux pas dire, mais vous avez vu ça qu'on arrête, on arrête pas de les bloquer les uns après les autres. C'est vachement bien ce qu'on a fait là. Un triangle comme ça, c'est pas mal. On va peut-être faire ça plus souvent. Là, on fait du top. Là, ils peuvent pas passer, après on en a deux, on devrait pouvoir récupérer les balles facilement. Je suis très content là. Il va essayer de me taper sûrement. Nickel. Donc ouais, donc ce gameplay je peux pas, c'est trop chiant en fait, au final. C'est juste trop chiant. Donc ouais, ça c'est vraiment le problème de FF8. Puis même si vous pouvez accélérer les choses, c'est fatigant en fait, c'est très fatigant. Donc ouais, je pense pas que celui-là je pourrais me le refaire. Après le FF7 original c'est pareil, et puis en plus le truc c'est que à cette époque... il vous tenait pas la main hein. Il fallait tout trouver les choses secrètes par vous-même, il fallait un guide hein, parce que sinon c'était la mort. Hein. Car sinon c'était la mort. On va refaire le même système là. Parce que j'ai beaucoup aimé en fait ça. Yeah, let's go. Là c'est vraiment pas mal en fait. Ouais, on va faire... Là je crois qu'on a un bon jeu là. On va faire ça. Surtout que c'est bloqué là. Ça qui est bien. Mais je crois que là c'est pas mal là ce qu'on fait. Ok, donc toi tu peux peut-être récupérer la balle. Toi j'ai envie de dire qu'on peut protéger... Protéger potentiellement Ingran. Oh, c'est méchant ça. Pas mal. Oh, joli. Du coup, ça tombe bien.
Ah, vous avez été... Ah, vous avez merdé, là, les mecs. Vous avez pas de chance. C'est Cilea qui l'a récupéré, pas de chance. Il va falloir aller la récupérer, maintenant, la balle. Enfin, les balles, même. Hop, très bien. Donc ouais, le 8, je pourrais pas. Enfin, après, je pourrais, parce que oui... C'est juste que ça serait mon plus chiant qu'autre chose, en fait, je crois. C'est surtout qu'il faut un guide, honnêtement. Ah, merde. Ou surtout un guide, je pense. Faut qu'on ait plus de gens, là-bas. Ça sert à rien de le mettre à terre, il a joué son tour, mais bon. Là, il va falloir faire un truc... un peu chaud. Ah non, 80% et ça a loupé, merde. Je déteste le RNG, c'est de la merde le RNG. Pure merde le RNG. J'aurais pas dû me coller. Cela, le prochain tour, elle pourra juste me taper après courir. Vas-y. Oh, c'était débile, mais bon. De toute façon, on a fini nos tours. Bon, il y a Cilea qui va devoir nous sauver. Sérieux là? Donc ouais, je pensais me remettre sur FF 12. C'est le 12, hein? Oui, c'est le 12. Zodiac Age. J'aime beaucoup celui-là. Combat et tout ça est vraiment bien. Ça aussi, le fait de... Bah tiens, ça c'est un exemple. Le 8. Les combats automatiques, c'est venu plus tard. Il y a eu le... Le 12, il n'y avait pas ça. Le 10, il n'y avait pas ça. Le 12, oui. Le 12, il y avait des combats automatiques grâce au Gambit. Yes. Ça serait bien de pouvoir passer... Allez, vas-y. Putain, là, c'était parfait si ça passait 80% et ça loupe, quoi. Ah. Wow. Ah merde, mais c'est un agile. Bon, ça va passer. Ok, bien. Là, on est mal. Là, on aurait pu faire un super truc. Et après, je crois que c'est un des pires pour moi, c'était quoi, le 13 avec Lightning, le tout premier de base, hein, vraiment mauvais. Hein. Tout était automatique, les combats, c'était vraiment mal fait. Les combats étaient vraiment pas intéressants. Les combats étaient super inintéressants. Bien. Ah.
Allez, Laura, défonce-le en coup d'épaule. Voilà, très bien. C'est bon. Là, on s'est bien replacé, donc on devrait pouvoir... devrait pouvoir faire quelque chose. Remarquer au moins. Après, on m'a dit que le 13-2 était bien et Lightning Return, parce qu'il y en a eu deux autres après le premier 13. Mais bon, j'aimais pas trop les personnages à la base, donc je sais pas. Mais ouais, faut que je finisse absolument le 12. Ça va être chaud. Faudrait d'abord, avant de laisser passer Silea, il faudrait peut-être d'abord défoncer lui. Mais il n'y a pas de moyen. Sans m'en prendre deux d'affilée. Il y a Phylac, mais Phylac c'est un léger. On peut se placer comme ça. Allez. Ah non! Voilà. Mais merde. Ouh là 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 là, c'est chaud. Il y a lui qui peut être un problème. 75. Ok. Bon, ils peuvent pas passer, je pense. Donc ça va. On peut aller, voilà, on peut aller récupérer la balle avec Silea. Quoique, si Silea se loupe. Ok, merci quand même. Ok, là on est bon. Non, pas de passe. On va la garder, comme ça on joue au prochain tour. Lui, on lui a pas pris la balle. On va se mettre derrière pour foutre la merde. Là, c'est bon, le prochain tour, on marque là. Là, il n'y a rien à dire, là, on marque. À moins qu'ils jouent en premier et qu'il arrive à me renverser. Je sais pas s'ils vont jouer en premier, en fait. Ils vont jouer en premier. Ok, c'est la balle qui joue, ça va. Ouh, joli, ça, joli. Joli, mais on marque. Mais joli par contre, joli. Parce que là, j'étais dans la merde là. C'est bon, on a gagné. Ah, parce que là, j'allais être dans la merde, complètement. Of all the opponents we could have faced, you're certainly the only ones we're happy to lose to. It's a pleasure to offer you this fine reward. So, what did you think? Not bad, eh? Come back whenever you want. We're not about to abandon this pitch. Can't get enough of the pitch, eh? No surprise there. We feel the same. Oh, mode difficile. T'es sérieux? Il y a des modes difficiles aussi. Oh là là, on a fait les arènes en mode difficile. On va faire les routes en mode difficile. Ah, je sens que ça va durer longtemps. Je vais en avoir ras le cul de la rousse. Alors c'est quoi le mode difficile? Vous devez marquer au moins 5 points pour valider la victoire. Oh non. Sans déconner.
Ok, là c'est pas marrant par contre. ~65% à peine. Ah! Vous voyez, ça c'est pas vraiment. La roue c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Enfin, je trouve que le gameplay est super en fait. Ils ont super bien pensé à ça. Mais le fait que ça soit géré par le RNG, ça me fait chier. Et honnêtement, ça me gâche l'expérience. Et je trouve ça vraiment nul. Cinq points, donc ça fait 3 balles à mettre. C'est 2 à chaque fois. Posséder le deuxième ballon lors de la marque pour un point additionnel. Ah, parfaitement dans la zone. Dans but adverse pour marquer 2 points. Ok, donc 3 et après on peut marquer. Ok, ça marche, ça marche. Ok, donc faut posséder la balle. Il fait chier, il va la récupérer lui peut-être. Si on se met à 2 là, on a plus de chances de récupérer la balle, non? Bah, je pense. On aime... Ah d'accord. Aïe aïe aïe. Ah putain. Après, j'ai envie de dire, on récupère celle-là. Toi, tu ingrain, tu cours, tu récupères l'autre. C'est bon, hein. On marque. Elle est juste là. Ah putain, ça va être en 2 tours. Fais chier. Celle-là, il faut la garder en fait. Et ingrain, il faut qu'elle marque toute seule. Il va encore la tirer, non? Ah non, il a joué. Okay, il faut qu'on se... Bien. 65%. 65% c'est chaud. Ok, nickel. C'est bête que je peux pas aller plus loin parce que maintenant je suis à sa merci en fait. Ah, il m'a fait pareil. Oh, oh. Ah merde! Ils arrivent à la pousser, hein! Ils arrivent à la pousser, c'est ouf quand même! Là, il y en a quand même 3 en ligne. C'est un peu chaud. Ça sert à rien. Ok, nickel. Tiens, ça t'apprendra. Même ça sert à rien. Faut absolument qu'on bloque là. Ok,
Faut que Siléa on la fasse court. Oh putain, merde. Ah mais... Oui, mais j'aurais dû penser que le mec allait faire ça aussi, je suis con. Il faudrait le bump. Et relever Siléa en fait. 40% de l'esquiver, non. 50% de le faire. En fait, faut que j'arrive à côté de Siléa pour qu'elle récupère la balle. Voilà. J'adore le RNG. RNG, RNG. C'est trop bien le RNG. C'est, ah, les pourcentages, les chances. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ça. J'aime ça. C'est comme les loot box. Mmh, ah, c'est... magnifique. C'est comme les loot box. Voilà, j'en ai même pas fait. J'aurais dû passer sur un seul, pas essayer de faire les deux, c'est débile de ma part aussi. Ok. Faut absolument posséder cette balle avant de marquer. Et en plus, on est au troisième tour, ça va être le quatrième tour où on marque. Laisse tomber, quoi. Je vois même pas comment on va le faire parce que je vais prendre la balle avec Siléa. Lui, il va me foncer dessus direct. Puis c'est fini. Je vais pas pouvoir garder la balle en fait. Y a pas assez de tours. Y a pas assez de rounds. Alors, là, il faut que Siléa le fasse tomber. Ok. Ok. Peut-être que là on a une chance. Oh là là, oh là là, oh là là. Non ! Putain, il la ramasse en plus direct. Non mais sans déconner. Y'a personne qui peut la prendre. Y'a personne dans mon équipe qui peut la prendre. À moins que je relève Filak, peut-être. Oh là 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 là. Oh putain. ...80% de l'esquiver. Ok, maintenant faut prier pour pas qu'il se fasse retaper. Je merde. Bon, bon, on va marquer. Ça fera deux. Puis le troisième, j'arriverai pas. Parce que merde. Aïe, aïe, aïe. Marque. Faut au moins 5 points, quoi. Donc maintenant, il faut faire un 3. Sinon, on est dans la merde. Sinon c'est fichu. Alors, je veux bien retester exactement le même système. Parce que c'était pas mal. Parce que quand on fait... Merde, putain, bouge la caméra. Quand on fait comme ça, ça a l'air pas mal comme stratégie. À peine 65. Ah, mais c'est un défenseur, c'est pour ça. Ah.
Ok. On a ouvert le... la place pour Ingran. On va faire pareil. Ok, très bien. En fait, mes positions sont vachement bonnes, en fait, au final. Les défenseurs, tout ça, sur le côté. Et t'as Ingran qui est là. Faut absolument faire partir Ingran très loin. J'ai envie de dire qu'il faut... Ah non. Si je mets Ingran capitaine, elle va... C'est elle qui va avoir la balle. Personne peut le rattraper. Yes, nickel. Là c'est bon. Faudrait passer. Ouais, ça m'a pas vraiment trop aidé à faire ça. Il y a des chances qu'on puisse faire un 3 là. Il y a des chances qu'on puisse le faire. Là on protège plus ou moins je pense. Il n'y a que lui qui peut peut-être courir. Ah putain, c'est à eux de jouer. Non. Non ! Sans déconner. J'aurais dû me mettre plus vers l'avant. Ok, pas mal. Fais voir. 55%. Ah, c'est chaud. Nique-toi. 50% de chance de passer. Nique-toi. Voilà, nique-toi. Nique-toi. Ah, ça va me rendre fou ce jeu. Ça va me rendre fou. Putain, dire que je vais passer genre déjà 40 minutes juste pour un match, quoi. Enfin, deux matchs techniquement. Ça, il bougera pas. C'est bien, c'est qu'il y a personne qui le fait chier à lui, donc c'est terrible. Rune 7 sur 8, c'est mort. C'est mort de chez mort. Enfin, quoique... Ah, attends. Parce qu'il s'est déplacé. Avec Silea, on peut peut-être le défoncer. On se met là, on bloque. On bloque eux. Mets-le par terre. Ok. S'il va falloir qu'elle contre tout le monde. Ok, eux on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Oh non, t'es devant nous. Non. Oh, quelle merde. Puis d'avant. Je peux même pas le taper en plus. Je peux faire une passe. Mais là on est au dernier round ou avant dernier round du coup? Est-ce que le 8 on le joue ou pas?
Parce que à la limite, je peux faire en deux. Genre, si Léa récupère la balle, elle la passe et après on marque. Ça peut être un truc. Ça peut être un truc. Ah, ça va me rendre fou, ça va me rendre fou. Ça. Oh là là. Ça va me rendre cinglé, quoi. Je pensais qu'en deux heures, on aurait tout fini, mais laisse tomber. Quoi. Jamais on finit, en fait. Jamais de la vie on finit ça. On finit tous les matchs de Roost. Est-ce que c'est bien de le faire comme ça? J'en sais rien. Nouveau round. Okay. Yes. Yes. Ah non. Non, tu peux pas. Tu peux pas la balancer là. Même tu peux pas la balancer, mais je peux pas la récupérer du coup. Merde. Yes, yes, yes. 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 Faut pas faire tomber Siléa. Merde. Elle est pas tombée. On est bon. Ok, let's go. Passe. Let's go. C'est bon, on gagne. C'est bon, on va faire 3. On va faire 3 points d'un coup. C'est bon. Oh mon dieu, quoi. Mais ça doit être serré comme ça tout le temps. Oh là là. Non mais j'ai l'impression de regarder un match de foot et je déteste ça. After this defeat, I'm beginning to wonder whether Colonel Ramirez was right. Take this reward and make good use of it. It's the last one we have, meaning the next matches will be strictly friendly. Ah la vache. How about another match, mercenaries? Non non, c'est bon, c'est bon. Tu m'as donné de la merde en plus. Ouais, tu m'as donné... Yes. Yes, yes, yes. Allez, on court. Oh, on va courir, on peut pas le voyage rapide parce que ça consomme trop de nourriture. Oh là là. On doit aller où le prochain match? Je sais pas. On va voir. Je vais peut-être courir là-bas. Et ok. On se retrouve après. Après la coupure. On se retrouvera au prochain match de Roost. Ok, on est arrivé à Tiltren. Terrain de Roost. J'y suis jamais allé. Donc on va voir un peu ce qui se passe. On va faire encore les deux matchs normal et les difficiles. In Tiltren, Roost players are all amateurs. Farmers, craftsmen, even bandits sometimes. Rewards serve a very important purpose. They are a compensation for the risks taken on the pitch. Without them, it's not worth playing. Okay, tu m'énerves. We did have a reward for the winner, but it escaped. Quoi? All that's left of our pony are tracks running away through the plain. Our team won't play if there's no decent reward to be won. Faut récupérer un poney. I ain't playing for nothing. I was promised a pony. So I want a pony. On dirait un enfant. Given the refugee crisis, I doubt Stromcap can afford another pony to replace the one that ran away. There may not be much to eat in Tiltren, but you can still drink your fill. Ouais, ouais, on va ça boire, ça me connaît, ça. Alors, il est où ton poney? Et cela, là, on peut pas, non? We did have a reward for the winner. All that's left of our pony are tracks running away through the plain. À travers la plaine. Our team won't play if there's no decent. À travers la plaine. Ouh, 4 plus 1, putain. Trace d'un poney à travers la plaine. Ouais. Tu veux pas m'aider? Récompense en liberté. Terran Roost. Tiltren. Retrouver le poney qui s'est enfui du terrain de Roost et ramener-le à l'arbitre. Ouais.
C'est quoi la plaine pour vous? Je vois pas de traces. Hein. Vous voyez un poney en liberté? Je vais devoir regarder internet parce que j'ai peut-être pas trop envie de passer genre 7 heures à tourner autour de Tiltren, honnêtement. Il y a un peu de ça. Surtout que les matchs de Rousse vont durer un petit moment. J'essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Genre, vous savez, ben, un poney qui se balade, genre comme là, comme ce qu'on a nous. Mais... Les plaines, en plus, ça veut dire quoi, les plaines? Genre, pour moi, ça, c'est des plaines. Là, il y avait des ours. Bon, je sais pas trop. Je vais aller regarder, je pense. Genre, moi, ça, pour moi, il parle de ça, peut-être. On va récupérer du minerai. Ouais, on va... je vais faire une pause, je vais regarder où il est le... Enfin, que je regarde Google ou que je passe 2h30 à tourner autour de Tiltren, ça va revenir exactement au même. Donc je préfère à la limite le trouver maintenant, plutôt que dans 2h30, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais récupérer le métal et je vais faire une pause et je regarde. Comme ça on va pouvoir jouer. À la base c'était seulement jouer. C'est pas mal de revenir dans des vieux... Dans des lieux comme ça où on est parti depuis longtemps. Il y a le minerai qui revient et tout ça. Ça, c'est vraiment cool. Faut que je fasse des fossiles, je crois, en éthérite. Ok. Ah, tout de suite. Et apparemment, c'est bien ce que je pensais. On va retourner là. C'est bien ce que je pensais, parce que j'ai vu des traces. Et apparemment, il fallait cliquer sur les traces. Je les ai vus en plus, il y a des traces rouges sur le terrain et apparemment il faut cliquer sur le... Je pensais que les traces elles allaient apparaître autour parce que je les ai vues, mais c'est en fait la même histoire que la grotte avec les traces de sang. Là, voilà, on peut inspecter ça. Ces traces mènent en dehors du terrain, voulez-vous les suivre? Voilà. C'est con, hein. C'est tout bête, hein. Plus je les ai vus hein, quand on parlait, j'ai en cinématique là, je les ai vus, mais oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh, le truc, il se fait attaquer par des loups. Go. La récompense du match va se faire dévorer. Ah, c'est sympa, c'est marrant ça. Sauver le poney. Belle des prés. Ah, oh, vous croyez qu'on va le gagner? Oh, il y a un moustique qui monte. Belle des prés. Voilà. Ah, c'est un poney de guerre. Son unité participe désormais au combat. Il peut porter des plaques d'armure. Ah oui, parce que du coup, elle était en combat avec nous. Ah, ça va être chiant pour nous, honnêtement. Ah, toi. Putain, j'arrive pas à cliquer dessus. Eh merde, bon, c'est pas grave. Go. Et alors?
C'est bon, on a votre poney. We did have a reward. All that's left of our team won't play. Meadow Sweet! This pony is getting on in years, but she can plow a field like no other. Farmers will fight tooth and nail to get their hands on her. Ouais, je suis pas trop sûr. If you want to challenge them, come see me and I'll sign you up. Marche. Je suis un peu dégoûté de pas avoir... Parce que j'ai vu le sang, comme j'ai dit quand je parlais, quand on parlait à eux, là, on peut voir le sang, en fait. Are we playing or what? Celui-là à gauche, je crois. Voilà. Pony, j'ai vu ça. J'ai pas cliqué dessus, quel idiot. Enfin bref, pas grave. Are you ready to fight? The mud is perfect today. The winners of this match will earn the beautiful pony you gave us, or its worth in vegetables. Their choice. Bah, j'ai envie de dire c'est pas mal, sauf que il est que niveau 1, ça c'est en fait c'est le problème. C'est que c'est un niveau 1. Un ballon spécial est ajouté à la partie, il n'est pas possible de marquer avec. L'équipe en sa possession à la fin de chaque round marque un point supplémentaire. Ouais, c'est qu'on peut pas... Qu'est-ce que je disais? Oui, non, c'est sympa de gagner un poney, mais bon, niveau 1 quand même. Alors, il y a une balle en plus, et on peut pas marquer avec. Alors, on va faire le même système, Ingram là. Ok. Go! Yeah, let's go. Très bien. Ah merde. Pas grave. Faut protéger une graine et la faire passer loin en fait. Oh la vache. Il nous a défoncé. C'est bien. Ah, lui il va sûrement passer à la balle. C'est un défenseur, ça. Chaud. Bon, au moins on a avancé. Là, il va nous taper et revenir en arrière pour prendre la balle. Ah non. Intéressant. Je peux pas taper, ouais. Non, je peux pas taper. Il y a personne qui peut l'arrêter, ça va. Ils sont trop... Lui, il est trop loin. Ouf, j'avais pas vu lui. Qu'est-ce qui reste ? Ah, tu peux taper avec cette balle. What? Ben en spécial, j'ai la partie c'est marqué avec. À la fin de chaque round, tu gagnes un point. What? J'avais pas lu ça comme ça, moi. Ah, j'aurais dû me mettre en défense. Ah, ben en plus, tu l'as gagné. Oh non, sans deck.
Ok, on peut marquer maintenant. Enfin, si on nous laisse, ça nous ferait 3 points. Voilà, donc on peut oublier mes 3 points. Je sais pas comment on peut récupérer cette balle. Oh si, je sais comment récupérer cette balle. Si. C'est bon, on va marquer 3 points. Ah, quoique non. Enfin, on va en marquer 3 points sûrement la prochaine fois. Let's go. Là, on récupère cette balle. Garder à la main. Ah, il marque 2, super. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Putain, on s'amuse, hein. Ça fait deux personnes qui protègent, il n'y a que lui qui peut peut-être lui foncer dessus. Mais... Ok, une grenade à la balle. Ok, tire, nickel, nickel. Hop. Si on marque et qu'ils ont la balle dorée, est-ce que ça fait un point pour eux ou pas? Ok, on peut prendre la balle. Ah putain, évidemment. Oh yes, c'est bon, on peut prendre la balle. Ok. Ok, c'est bon. On va pouvoir marquer, on a les 3 d'un coup. On a les 3. Ah, c'est bien, pas mal ça. C'est bon, on a une marque. C'est bon. Ah, nickel. Yeah, bien joué. 4 d'un, 5 d'un coup. 6. Je sais pas pourquoi 6. Ah, du coup, on a marqué avec la balle. Attends. L'équipe en position à la fin de chaque round de marquer un point supplémentaire. Le ballon spécial est ajouté à la partie. Il n'est pas possible de marquer avec. Posséder deuxième ballon de main. Je sais pas, il a disparu en fait. Okay. Tant mieux. Bon. What? Je crois qu'il y a un bug là. Donc elle avait 2 balles sur elle. Je crois qu'on a fait bugger le truc. Elle a 2 balles sur elle, c'est pour ça qu'on a fait 6. Ah, évidemment. Ah, évidemment, parce que sinon... Hein. Faut que j'apprenne à mettre des espaces entre les cases. Parce que vu qu'on peut toujours... On peut que courir dans une seule direction.
coup, je peux faire comme ça. Là, je crois qu'on a buggé le jeu. Hein. On n'est pas censé. Là, parce que là, c'est comme si elle avait pas de balles. Du coup, je crois que. Bah, en théorie, la balle, elle est gluée à nous, quoi. Tant mieux. Enfin, on va voir. Faudrait qu'il la fasse tomber, voir si on perd la balle ou pas. Ouais, non, elle est gluée à nous. Bon, bah, du coup, le combat difficile, il va être facile. Faudrait que je... appelle en fait. Et qu'on laisse Syngran passer en fait. Oh, wow. Yes, let's go, bien joué. Toi tu peux pas venir, toi tu... ça m'étonnerait que tu puisses. Non, tu peux pas la rattraper. C'est bon, dans deux tours on remarque. Ouais, toi te faire la passe c'est un peu con. Hein, de là. Ah non, donc elle a, elle a une balle. Elle est considérée comme si elle avait une balle en fait. Intéressant. Mais c'est buggé parce que je peux pas. Ouais, il y a une balle par terre. Ouais, non, c'est buggé. Peut-être que là ça va débugger. Non. Non, non. Ok, faut essayer de refaire exactement. Exactement pareil. C'est-à-dire d'essayer de marquer avec la balle en or. Comme ça, ça bug. Et comme ça, on fait 5 points facilement. En mode difficile. Faut faire exactement la même chose. J'aurais pu faire la passe et courir en arrière. Ouais, j'aurais pu faire ça. Ouais, j'ai merdé là. Pas grave. Ok, nickel. Après, on va se mettre là. Comme ça, on bloque. Comme ça, on récupère et on gagne. De toute façon, on gagne. De toute façon, on a trop de points d'avance. C'est fini. Là, il n'y a pas d'arbitre qui. Excusez-moi! Excusez-moi, vous n'êtes pas censé faire ça. Ah, ça marche ou pas? Vous n'êtes pas censé avoir une balle en or gluée à vos mains. C'est pas censé fonctionner comme ça. J'aurais dû les relever peut-être. Pouvoir récupérer la balle. Faut tester vos jeux, les gens. Hein, les devs, toujours la même histoire. Hein. Faut toujours tester vos jeux. Hein. Je sais que les devs, ils aiment pas faire ça. Vous voyez, c'est la première fois que je joue à ce terrain de roost. Directement, hop, bug. C'est facile. Hein. Chaud quand même. Hein.
Bon bah là on va remarquer. Tiens, voilà. Ouais, enfin on peut abandonner là honnêtement, c'est bon, on va gagner. 13. Et après ça va faire 14. Fin du match. Those wretches didn't stand a chance. So, what will it be? Your pony back? Or it's worth in vegetables? Je vais être honnête, le poney, vu qu'il a un nom spécial et tout ça, pourquoi pas. Mais il est que niveau 1, donc on va prendre des choux. Vegetables it is then. Come back whenever you want. Our team is going to train hard. Ouais, parce que un niveau 1, c'est bon. En plus, c'est un poney de guerre, ça veut dire qu'il va être sur le terrain. Our players may be farmers, but they want to win as fiercely as you do. How about a rematch? Ça, je commence à ça va. Je commence à avoir une bonne stratégie et tout ça, je suis content. Là, ça devient un peu intéressant et tout, moins chiant, on va dire, mais bon. Toujours le coup du RNG. Là, alors Mig, il est à verser une graine là. On va faire exactement le même système. Bien joué. Ok, let's go. Donc, faut voir que. La balle en or est super intéressante à récupérer. Okay, Si je récupère la balle, je peux la tirer. Hein. Directement. Hein. Cilea, parce que Cilea elle est forte. Ah! Nique-toi. Elle est forte quand elle veut. Faut que elle joue. Ouais, elle va peut-être récupérer la balle tout simplement en fait. C'est un peu emmerdant. De toute façon, il faut que je m'avance avant qu'on bloque Ingran. Ok. Alors je peux faire un truc parce que toi t'es à côté, du coup je peux faire ça. Voilà. Yes, let's go. 100% la passe. Let's go. Pas mal. Là tu vas me mettre à terre et tu vas tourner. Ouais. Là c'est embêtant. Mais en fait, c'est... Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Alors, là, il n'y a plus que lui qui est debout. Les autres, ils sont à terre. Donc, à la limite, on peut prendre les deux balles. Ok. En fait, tout va se jouer sur une graine, en fait, maintenant. Ça, c'est un peu le problème. Et elle est seule. Et elle est seule. Ça va être chaud. Ok. Faut au pire garder cette balle en fait. Pour nous. Ok, éteint. Ok, nickel, ça c'est pas mal. Là on en a bloqué deux en un tour. Ouais. Alors attends, on a deux. Là c'est trop intéressant en fait comme
comme opportunité. Oh yes! Ah non, quoique. Elle peut prendre la balle. Je peux la faire tomber avec Ingram. Et après, on récupère la balle. Ça va être chaud! À la limite, on peut peut-être utiliser Migek pour essayer de marquer. 80, 50. Paf, que Ingram la fasse tomber, quoi. Ouais, c'est chaud. Ah! Ok, Ingram qui a la balle. Ouh. Si on arrive à tenir et qu'on joue en premier, on marque. Hein? What? What? Pourquoi je rejoue Ingram? Je viens de la jouer. Une ballon spécial est ajouté. L'équipe est posée à la fin de chaque round, marque un point supplémentaire. Ben c'est bon, on a gagné. Bah. Qu'est-ce que tu me fais là, le jeu? Mais c'est bon, laissez-moi jouer. Laissez-moi, on a gagné. Ça, c'est un. Ok. Waouh, le match de Tiltren, il est buggé de ouf, hein. Oh, merde. Oh, yes, let's go. Désolé, mais le match de Tiltren, il est buggé de ouf. Donc là, on a combien de balles, là? Ah, merde. Elle a pas de balle en fait. Ah, peut-être récupérer la balle. Pas grave, on va remarquer. Hein. Pourquoi elle rejoue? Mais c'est un truc ça? Très, très bizarre ça. J'ai l'impression que ceux qui récupèrent la balle peuvent rejouer. Peut-être une règle qui n'est pas écrite. Le ballon spécial est ajouté à la partie. N'est pas possible de marquer avec l'équipe de sa possession à la fin. Chaque round gagne. Okay. Ah bah, t'inquiète pas, hein, je vais pas lâcher la balle et on va pas m'attraper. Hein. Il y a deux balles par terre. Du coup. What? 7. J'aurais dû me mettre là en fait. Ah, ok. Ça peut... Ouais, pourquoi pas. Y'a elle qui me fait chier, ce que je voudrais... Quoique. Yes, let's go. Yeah.
Ah merde. Aucune menace donc. Ils aiment bien faire des dégagements comme ça. Hein. Ils adorent faire ça. Genre jamais ils vont garder la balle. Je peux me mettre là. Genre on peut pas marquer avec celle-là. Genre je me mets là. Genre loin de tout le monde. Et genre je campe dans un coin. C'est legit comme strat, non? What? Oh! What? Eh, t'es sur la balle? J'ai pas vu. Ah, je peux rejouer. Oh putain, ouais, mais non, je vais faire ça. Non, on va la garder. On va la garder parce que, quoique, enfin, Laura, c'est pas mal aussi. Parce que Laura, elle est capitaine. Ok, ouais, c'est vrai que toi tu peux faire chier. J'avoue qu'il faut possiblement faire un dégagement là, mais là on devrait tenir. Ah non! Ouf, 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 ouf. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Si Léa arrive à garder la balle, on est bien. Voilà, va te faire mettre. Oh, en plus, en plus. Si c'est pas bullshit. Ah, moi non, moi t'inquiète pas que je la ramasse pas. Ah, l'enfoiré. Faut juste passer les tours parce que là c'est absurde. Faire un dégagement. Let's go. Il faudrait que Siléa récupère la balle et fasse une passe. Je vais être honnête, je vois pas trop comment défoncer trois personnes. Le truc, c'est qu'on aurait. Si on était mieux placé, on a pu faire tomber une en fonçant dessus et après une deuxième en tapant, mais là on peut pas. Ah, mais. Ah, vous avez merdé là. Vous avez grave merdé. C'est pour ça que je voulais le faire tomber en lui mettant un coup d'épaule, comme ça on peut se buffer. On va la garder.
Ah. De toute façon, faut juste qu'on revienne en arrière, parce que là, comme j'ai dit, on s'en fout, faut juste passer les tours, ouais. Allez, go, on avance, on accélère. De marquer au moins 5 points pour valider la victoire. Je peux me mettre là. Voilà. What? Ah oui, oui, nouveau round, ok. Je me suis dit, mince, j'ai marqué, ça marche pour moi. What? Attends, oui, nouveau round, ok, ok. Oui, on s'est tous relevés. En fait, c'est parce qu'ils ont montré lui, je me suis dit sur le coup, waouh. Tiens. Je peux pas la dégager. Si, je peux la dégager. Intéressant. Pas mal. Là, on peut sûrement faire un petit carnage, non? Ok, là, nickel. Ça, c'est joli, là. Là, on peut peut-être faire une récupérer une balle. Voilà, lui, il va me faire exactement pareil. Ok, là, go. J'aurais dû peut-être faire une passe à... Non, non, parce que si elle se relève, qu'elle me tape, je perds encore la balle. Donc, je t'ai planté en plus. Hop, protège. Yeah, let's go. On a l'autre balle, la deuxième ou pas? On n'a pas l'autre balle. Ouais, on va quand même marquer parce que fuck. Voilà. Fin du match, 14-0. Ça va, hein? On aurait pu faire mieux, je pense. Once again, you've crushed your opponent. It's an honor to give you this prize. That was the last prize we had. Next time, all you can expect is a friendly match. C'était quoi le prix? How about a friendly match? Non. C'était quoi le prix? Elle m'a rien donné. J'imagine que... J'imagine qu'en premier, t'as le poney. Puis après, t'as le chou. T'as les choux, j'imagine. Mais du coup, nous, on n'a pas pris le poney, on a pris les choux directement. Tonneau vide. Ah, oui, oui, oui. Tonneau vide, il fallait du vin. Il en fallait 30, c'est beaucoup. Stand back, peasants. These valuable commodities are only for those who can afford them. Peasants. On va voir si j'ai assez de vin de côté. Oups, cliquez trop vite. On a combien? Ouais, 1006.
Du vin, je dois en avoir de côté. Hein, mais est-ce que j'en ai 30? C'est 30, je crois. Du vin dédorant. Mais c'est méga rare, en fait. On en a 19. C'est du vin dédorant ou Gausenberg? Je me rappelle plus. Je pourrais regarder la carte. Alors, tonneau vide de Vertruse. 30 vins de Gausenberg. Okay, on a peut-être un espoir. Ou pas. Ok. Ben je sais pas vraiment. On peut y aller, faire le tour un peu des villes et tout ça. Ah, attendez. Pas si on pouvait aller là, mais le marché en fait, je voulais regarder le marché. You touch it, you buy it. D'habitude, on achète tout parce qu'on a plein d'argent. Those refugees. I understand there's a war. Come, come. Take a look at my wares. Faudrait que je fasse de l'échange à un moment pour faire plein d'argent, je crois, genre acheter et revendre. So, wanna find out what's new in Tiltron? Je pourrais faire ça, histoire de me faire un peu d'argent. Parce qu'il faudrait que j'augmente toutes les armes au niveau 12. Et il paraîtrait que vous pouvez augmenter vos armes au-delà du... Enfin, c'est... Il vous faut le niveau 12, mais elles sont niveau 13. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Mais il paraît qu'on peut aller au-delà de ça. Et il suffit tout simplement de prendre des personnages en niveau 14 avec nous. Ce qui est le plus haut niveau que vous pouvez avoir. Genre comme ce qu'on a, hein, genre capturer des gens. Et apparemment... du coup, ça vous donne l'opportunité de monter les armes légendaires, les armes uniques, au-delà du niveau. Mais par contre, le niveau demandé pour les maniers, ça change pas. Le niveau demandé pour les maniers, c'est niveau 12. Ça va pas plus haut que ça. Mais par contre, l'arme en elle-même, elle peut monter plus haut encore, il paraît. Alors, je sais pas si c'est voulu, c'est un bug ou pas, je sais pas, en fait. Après, je dis que vu que les gens disent qu'il faut un niveau 14, en fait, dans votre équipe, j'imagine que, en fait, c'est considéré comme un bug. Ou le jeu voit que vous avez des gens 14, donc il dit qu'il vous laisse monter les armes, alors qu'en théorie, on devrait pas. Je pense pas que je vais le faire, parce que de toute façon... Après, ça pourrait être marrant, hein, vous prenez un sauvage là avec Berserk. Donc, du coup moi j'ai pas le... J'ai pas le vin moi, oui, pour maintenant que j'y pense. Faudrait aller là. Vous prenez le... Quelqu'un avec Berserk, vous montez le couteau là. Stand back, peasants. These valuable commodities are only for the... Au niveau je sais pas combien, 15, 16, truc comme ça. Si le mec est niveau 14, ouais, 15 du coup, l'arme, pour l'arme. Et vous allez sûrement faire du 2000 ou du 3000 de dégâts, c'est sympa. Nous on a fait déjà, c'est quoi, je crois le plus gros chiffre qu'on ait fait, c'est 1500 quelque chose. Et c'était pas vraiment voulu. Vous allez dans la ville ou pas? Allô? Allô? Sans déconner, rentrez dans la ville, bordel! Vous voyez pas que j'essaye de faire vite? Non mais... Non mais sans déconner, quoi. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Ah mon dieu!
I'm concerned about the vineyard disease. It's confined to Vertruse at the moment, but 27. Imagine if it spreads to all of Gossenburg. We'd have to drink. 27. Je vais devoir, je crois, aller à l'autre ville. L'autre. Strange. Zone. The market. I would offer wine to go with your cheese, but the disease has all but destroyed our vineyard. This crook has been screaming his head off and. Okay. On va. Peut-être des marchands sur la route, ou alors on peut aussi dormir, mais je pense là. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Putain, on en balance de l'argent dans la nourriture. On est à combien? 1600 de poids. Vous vous rappelez le dernier épisode où j'ai dit que j'avais dormi une seule fois et que j'avais fait le tour des zones pour voir les donjons et tout, les tombeaux, et après on a récupéré toutes les dernières genre accessoires de ceinture et tout ça. Ça c'est pas mal d'en mettre 5 comme ça. Il y a aussi, je le fais pas, mais honnêtement on pourrait le faire tout le temps parce que ça donne pas mal de choses. Je sais que je le fais pas, c'est juste pour aller un peu plus vite, mais en théorie on devrait le faire parce que ça c'est quand même pas mal de d'argent et surtout d'influence en fait. 100 d'influence c'est beaucoup hein. Quand on fait l'autre musique, 100 d'influence c'est énorme. Hein. On peut pêcher là. Mais bon, ouais, si on veut farmer de l'influence, autant faire les rats. J'ai fait plusieurs appâts à rats pour pouvoir faire revenir les anciens. Ok, let's go là. Normalement on en a 30. Mais oui, comme je disais, vous vous rappelez, j'ai dormi une seule fois, j'ai crapahuté dans toutes les régions et tout ça, et c'est sur une seule barre de fatigue, et on n'a toujours pas dormi depuis. Je crois que ça va faire 2 heures de gameplay en fait. À courir partout. Donc ouais, c'est bien bien abusé ma technique avec tous les rampants des neiges là, j'adore. Je kiffe ce truc. Je kiffe ce truc. Ok, encore un match. C'est bon, on a du vin. Ça fait beaucoup hein. Ouais, ça fait beaucoup parce qu'on peut faire énormément de plats et de repas en fait avec ce vin. Pas de repas surtout. Wine. Wine's here, lads. Let the roost begin. Join us, mercenaries. You see, our players are completely different after a drink or two. Without you, I'd have had to close up shop. Is there something you'd like? A cup, perhaps? Ouais. Ah, we can finally play in proper conditions. Wow, les mecs de toutes pourries. Just because you saved the day doesn't mean I'll let you win on the pitch. T'inquiète pas, t'as pas besoin de me laisser gagner. Not to be finicky, but I've had better wine. Ouais, t'as une meilleure vie aussi, non? Our players may be vintners, Coffin. But they turn into warriors the minute they set foot on the pitch. Are you ready to face them? Coffin, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est. Non, je vais dire des conneries. Un ballon est fait de métal et très lourd. Trop pour être tiré au pied. L'autre ballon est enflammé. Le porteur doit s'en débarrasser pour finir son tour. What the fuck? Ah, les mecs, ils sont bourrés de ouf. Ils font des. Ils font des règles de cinglés, quoi. Alors, il y a une balle qu'on peut pas tirer.
Et il y a une balle qui brûle. Mais c'est n'importe quoi. Du coup, ça m'embête. Donc, faut la passer, celle-là. Ok, on va faire une autre stratégie, du coup. Ok. Et lui, il faut qu'il la balance. Ok, nickel. On va pouvoir la... Là, il y a lui qui est à côté. Ouais, lui, il fait chier. Ouais. Faut le faire tomber. Des merdes. Ok, bien. Après on avance, on passe la balle à Laura. Il n'y a que lui qui peut jouer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Lui il peut pas aller très loin normalement. What? Ouh, il essaye de nous contrer le mec. Genre il aurait une intelligence artificielle. Ok, let's go. Et hop là, j'ai mis un espace entre les deux, comme ça. Yeah, pas mal, pas mal. Comme ça, s'il se relève, il peut pas nous taper, en fait. Let's go, on a marqué. Let's go, pas mal. 3 points d'un coup. Ah, ils jouent différemment, hein, vu qu'ils peuvent pas la dégager. Ils jouent très très différemment. Attends. Ouais, c'est bon. On peut se mettre là pour bloquer, faire un dégagement. Faut que quelqu'un récupère cette balle. Et merde. Oh, what? Chier. Ça, c'était un peu bullshit quand même. Ok. On n'a que des légers en fait. Parfait, toi tu vas aller sur Ingran et là on va pouvoir prendre la balle nous. Ou pas.
C'est... On appelle ça dans le jargon un clusterfuck. C'est quoi ce bordel, quoi ? Attends, je peux peut-être relever Laura, elle prend la balle. Yes. Ok. Ah, à chaque fois, ça fait ça. Parce que j'utilise le clic droit, là, pour tourner la caméra, mais des fois, ça clique sur... Oh, joli. Ok. Alors, c'est Laura. Oh, putain. Si je me mets là, ça sert à rien parce qu'il va se relever et me retaper. Donc, ça sert à rien. Faudrait qu'on avance en fait. Va te faire. Ouais, bien joué. J'aurais dû aller plus loin. Tout le monde se fout par terre. Plus personne joue la balle là. Attends. C'est un peu la merde. J'aurais bien voulu que Silea soit debout en fait. Ah merde. Ok. Ok. Ce qui est marrant, c'est que on a vu les gens qui tapaient avec la balle dans les mains. Nous, on peut pas le faire. Je suis pas fou, hein. On peut aller marquer direct, honnêtement. Oh non. Oh non. Le mec, il fait un double, il récupère la balle, quoi. Oh. 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 Oui, bah, alors, c'est bon. Honnêtement, on peut que juste passer, en fait. Là c'est fini, là. Non mais s'il te plaît quoi. Ce qui est bien c'est que là-bas elle est trop loin en fait. Pour qu'il la fasse passer. Ah, là par contre elle est un peu plus proche. Ah, ils vont sûrement pouvoir la passer. Voilà. Yay. T'inquiète pas que moi, elle tombe pas sur moi, la balle. Hein. T'inquiète pas. Il manque que ça finisse. Ah là là. Donc toi, là tu peux... Ouais, vous débarrasser du ballon, ça va. Tu vas.
tu vas... Pourquoi t'es pas allé directement dans nos buts, en fait? Voilà. Allez vous faire mettre, les mecs. Sans déconner, quoi. Ah, ah, ah. Tarus, 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 let's go. On marque. Ils jouent très bizarrement, ceux-là. Peut-être tout l'alcool qu'ils emmagasinent. Okay, let's go. Yes! Et on peut la rejouer du coup. Parce que bah, c'est une règle qui existe. Apparemment. On a gagné trois fois là, au moins. Donc y a pas de problème. Allez, vivement qu'on passe au mode hard là. Ah merde. Évidemment. Après, on peut peut-être... Putain. Ça va être chaud. Ah! Oh yes, let's go. Pardon? Donc, lui, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Il peut garder la balle en main. La balle en feu, là. Non, mais vos matchs de roost, ils sont complètement broken. Hein. Sont complètement broken. Ça c'est la balle où on peut pas finir le tour si on l'a dans la main. Aïe 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 aïe. Je passe les tours parce que ça sert un peu à rien. Hein. I think we just witnessed the greatest roost match in Vitruvian history. This trophy is yours. If you want a rematch, know that our vintners haven't shown you the full extent of their talent yet. After a few more drinks, you'll be facing wild beasts. Dégâts des attaques dans le dos augmenté de 5%. Our lads want a rematch, and this time they almost finished the wine you brought. There will be blood. Wow. Mec, ils ont quasiment fini le vin. Mec, ils sont tous bourrés. Allez, c'est parti, on va jouer à la balle. On va prendre des têtes.
tête, ça va être la balle. La stratégie marche bien. J'aurais pu peut-être dévier. Ah, ouais. Okay. Ok, les deux peuvent rien faire. Bon, faut se rappeler, faut pas. Faut avoir 5 points. Lui, il me fait chier d'être là, par contre. Ouh, pas mal. Oh, j'aurais dû faire une passe en arrière. Ouais, j'aurais dû... Oh là là, quel con. Alors on avance les balles, mais c'est un peu débile, quoi. Pas mal, parce que c'est une défense, donc elle est plus résistante. Regardez. Oh, ça va. J'allais gueuler si elle se faisait taper. J'allais gueuler. Ah, est-ce que je peux réanimer elle et je la fais avancer? Parce que je sais pas si elle a joué. Si elle a joué, normalement. Laura, elle a joué. Est-ce qu'on peut la rejouer? Non. Mais c'est bizarre en fait. Il y a plein de gens que je peux rejouer avant la fin du tour. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Je comprends pas du tout ce qui se passe. C'est genre comme si les gens pouvaient rejouer plusieurs fois. Si elle le fait tomber, ça serait magnifique. Ouh, là c'est bon là. Oh merde. Évidemment, lui il va pas tirer. Je sais pas quelle raison il tire pas, parce que lui ça marche pas apparemment. Oh là là, vous me faites chier. C'est chiant ce système qu'il faut faire 5 points quand même. Allez. Ok, ça c'était joli. On va pouvoir relever des gens. Ok, on s'en fout. On va avoir les deux balles. Ah.
t'inquiète pas qu'elle va pas tomber vers nous, hein, la balle. Hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas. On va récupérer la balle et après on marque direct. Je sais pas comment on peut faire ça. Laura, faut qu'elle fasse un coup de maître en fait. Ah mais non, mais là elle va prendre la balle automatiquement en fait. Oh là là, la merde. Oh là là, je fais de la merde moi. On n'est pas bon là, on n'est pas bon. Ok, défendre. Comme ça, eux, ils peuvent pas venir. Donc là, il faudrait jouer un jeu de maître. Ce serait de la réanimer. Oh mon dieu, 80%. Nico... Oh putain, ça m'a... Ça m'a niqué. Là, on l'a relevée. Elle prenait cette balle. On marquait avec l'autre. Enfin, j'en sais rien. Ah, c'était pas mal, là. Merde. On a peut-être encore une chance. J'ai envie de casser un truc. J'ai envie de casser un... Ça sert à rien de jouer, là. Ça sert à rien du tout. Pourcentage de merde, RNG de merde, c'est de la merde. Je jamais, plus jamais je joue à des jeux avec du RNG. Tu sais comment ça gâche le plaisir de jouer le RNG? Genre 80% ça loupe. Voilà. Là on a trop de gens quoi. Celui là, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Peut-être faire une passe là. Comme ça, ils sont, elle est un peu plus protégée, elle. Ouh, je crois qu'on est bon. On a la balle, on va faire 3 points. C'est bon, 3 points. Oh la vache. Ok. Sérieux, tu peux aller aussi loin, toi? Merde. Je sais pas si c'était la meilleure des choses. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre la balle directement. What? Ouais, c'est un coureur. Ok, d'accord, ça va, ça, ça. J'ai envie de la balancer loin, la balle, en fait.
C'est dangereux hein, ce que je fais, hein, mais... C'est un peu dangereux de faire ça, hein. Super dangereux même. Je sais pas si j'aurais pas dû continuer à courir avec Cilea. Ah merde. Putain, t'as merdé Laura. C'était peut-être une connerie ce que j'ai fait. Oh là là! Oh là là! Oh là là, la grosse connerie! Non! Bon, ils ont l'air d'ignorer elle, donc techniquement, à la limite, ça passe, quoi. Ok, on va tenter. On tente le tout pour le tout. Ils sont beaucoup, là. Là, s'ils prennent la balle, c'est mort. Hein. S'il te plaît, faut pas la merde toi. Toi, je suis sûr que tu vas te jouer. Oh là là. Yes, mon dieu. Alors, on peut le faire en deux coups. Alors, si j'avance quelqu'un là, est-ce qu'on va pouvoir le refaire jouer? Si je lui passe la balle. Ok, on les fait tourner en bourrique. Let's go. On gagne. On gagne là. On peut rejouer. Let's go. Tada, 5 points, c'est bon, on gagne. Eh, cassez-vous là, les nuls. Cassez-vous les bourrés. Ah putain.
Oh mon dieu, sur lui quoi, s'il te plaît. Bon, je sais ces deux là derrière. Tiens, mange, mange le coup de coude dans ta mâchoire. Yeah, let's go. Et merde. Ah, j'aurais dû me mettre en défense qu'il y a lui. Ah, oh, ça va. Pas mal. Ok, toi, t'es trop loin. Ah oui, c'est vrai qu'il faut tirer, putain. C'est bon. Ouh. What's your secret, mercenaries? This match was even more amazing than the last. Here's your reward. You've earned it. You won all of the rewards we had to offer. But feel free to come back and play, if only to enjoy the atmosphere. Non, ça ira. Ça ira. Boire, je peux le faire de mon côté seul, ça va. Ok. Suivant. Suivant, suivant. Par des ours. Il nous en reste quoi? Deux ou trois, je crois. De roost. On a fait combien? On a fait. On a fait que deux. Donc là, maintenant, il y a celui-là. Ça lag pas mal hein, ici. Par où on passe? On peut faire le tour. Je suis jamais passé par là, je crois. Ils aggro de loin tout ce qui est zombies, crocopores et tout ça là. C'est bon, on y est, la vache. Alors qu'est-ce que... On va avoir des loups sur le terrain, peut-être. C'est pas marrant, tiens. Oh mon dieu, ils sont attaqués par des crocopores. Crocopores ont l'heure de revendiquer le terrain de la rouste. Ok. Terrain de rouste. Hey! You! Mercenaries! Are you here to play roast? Then ouais. Help us drive out those nasty croc swine. They've overrun the pitch. Ça marche. Ils sont quel niveau? Ils sont niveau 9 quand même, c'est cool. Ouais, elle est où Laura? Ah oui, motivé. Hey!
Très bien. Tiens, lui, c'est un chef. Marrant, quoi. Ça. Crocopore leader. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Crocopore leader? Je sais pas, ça me dit rien. Ok, let's go. Parfait. Je suis pas là pour ça. Tiens, moustique niveau 10. Thanks for taking out the vermin. I was worried we wouldn't hold out until the trackers arrived. By the way, you didn't recover a ball in one of those beasties' bellies by any chance? I can't find it anywhere. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Ouais, ça, balle mâchouillée. Cette balle a passé un certain temps dans l'estomac d'un crocopore. Donner ou garder. I think this ball is too damaged to play with. I'm gonna check if we have another one. Thanks anyway. If you want to play roost, let me know. Okay. This pitch was built on Croxwine mating grounds. Ah, c'est pour we ça. Would have picked a better spot, but this one was designated by the tools. Les teules. I hope we'll have time for a few matches before the Croxwine come back. I didn't know Harrog Savages knew anything about roost. Do you think they play like in Gothenburg? Oh, sûrement pas. Good thing Croxwine don't care about alcohol casks. Can you imagine if players didn't have anything to drink? J'avoue que ça, par contre, les lieux de roost pour l'alcool, c'est super bien. Ils ont plus ou moins... Genre, ils ont 4 à 5 différents alcools à chaque fois. Ça, c'est vraiment cool. You want to play against us? I hope you've been training because most of our players used to be trackers. Trophée de roost? Ça, c'est... On connaît pas ça. Alors, un crocopore dressé se joint à l'équipe adverse. Prenez garde à sa charge. Non, mais sans déconner. Ah, mais non, mais ça, c'est foutage de gueule. Ah, excusez-moi, on va rajouter des lions aussi. Des lions et des ours. Oh, super, quoi. Machin, il va super vite, j'imagine. Charge. Ah, attends, par contre, il fait ligne droite en charge. Peut-être qu'on peut le faire charger ses potes. Bon, du coup, on va changer de stratégie. Yeah! Let's go! Il me l'a donné exprès ou quoi? Ah, j'en profite, hein. Après, il faudrait essayer d'aligner le crocopore avec eux. Là, on pourrait récupérer la balle et marquer direct. Ça me ferait directement un 2 points. Non mais le truc il te bloque en plus, sans déconner. Mais tu vas pas me dire qu'il va pas me faire tomber quand même. Ah mais ouais, mais carrément, mais c'est bien. Ah le machin. Si jamais on n'arrive pas à récupérer la balle,
Je marquerai le prochain tour. Parce qu'on commence le prochain round. Ok, nickel. On peut faire 3 points. C'est bon, on a gagné 3 points. Ah, vous avez très très mal joué, les mecs. Là, vous nous avez donné la victoire. Ah, quand tu vois qu'il y a deux ennemis qui commencent, ça c'est bien, ça. Ah, super. On va faire un dégagement. Il est horrible ce machin. Il est horrible. J'aurais dû peut-être attendre que la balle tombe. Parce que si on la rattrape pas, bon ça va, on a de la chance. What? Vache. Violence de la passe quand on est côte à côte. On va essayer de lui... What? Le mec il peut tirer. Bah si, je crois que oui en fait. Oh, merde. Je sais pas, il peut tirer et courir. Je sais pas par rapport à ça, hein. Je suis pas sûr. Hein. Sans déconner. Parce que lui, il va... What? Tiens, ça prendra. Je sais pas pourquoi, ça sent un peu le bullshit, hein, niveau règle. Hein. Ça sent vraiment bullshit, hein, quand même. Hein. Genre, les mecs, la transgression de règles, ça y va. Hein. Ils connaissent bien. Hein. Incroyable, quoi. Oh putain, faut que je passe dessus. Ok, là. Ah merde. Évidemment, personne ne peut prendre la balle. Et comme ça, si on la ramasse, on marque. On la ramasse, on marque direct. De toute façon, c'était peu importe, c'était la fin. Mince. Ce crocoport, il joue, il fait tomber une personne, en fait. C'est horrible. Là, j'avoue qu'on va peut-être passer un petit moment avant de gagner, là.
J'espère que ça prenne du temps. Regarde-moi ça, comme ils sont proches. Puis il y a le croco, il va faire ligne droite, il va me faire tomber quoi. Si jamais on n'arrive pas à récupérer la balle avec Tarus. Oh! Attends. Après, c'est eux qui vont jouer. Non, c'est trop dangereux. Go, on marque. Ouh, vache. Bon, ça va, on risque plus rien. Ah. Dès que le machin y joue, c'est fini. Ça s'appelle bullshit. Qu'est-ce qu'il va faire avec la balle, lui? Ok. Merci. Ils aiment bien faire des mauvaises passes, hein, j'ai remarqué. Ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est cool pour nous. Hein. C'est rien que des matchs de roost. Hein. Je suis en train de manger des chips parce que ça me... Honnêtement, c'est fatigant. Je pensais que ça allait être un peu relou à jouer, mais je pensais pas autant. En fait. J'avoue que ça prend beaucoup de temps. Ça va faire 2h20 que je suis dessus. C'est peut-être un peu abusé quand même. Après, je crois qu'on a encore un... Ouah, d'accord, le machin. Ok. Autant me tuer un personnage direct. Tiens, ça prendra. Regarde ça. Encore heureux que vous êtes cons comme des assiettes, hein, les mecs. Encore heureux. Hein. Un truc qui serait bien, c'est de... Si on passe à 5, direct, on gagne, en fait. 5, ça me paraît pas mal pour gagner, en fait, au final. Voilà. Je crois que Migeg, elle a jamais joué, presque. Je crois qu'elle a jamais joué. Ok, on protège de ces deux-là. Voilà, bien. Quand elle est en protection, elle est 100% résistante ou pas? J'imagine. Si je te passe la balle, t'es 100% résistante? Maintenant. Ah, peut-être. Peut-être, hein, honnêtement. Hey. Oh,
Ouais, ils auraient dû limiter à 5. 8 rounds, c'est bien. Ça va. Pas vraiment grand chose à dire par rapport à ça. Mais 5 points, c'est bien. Le maximum. En fait, les règles du difficile, honnêtement, je préfère ça. Je préfère jouer les règles du difficile que les règles normales. Parce que le normal, il faut se taper les 8 tours, quoi. Oui, c'est relou. J'aurais dû avancer Tarus, en fait. Voilà. C'est bien. Allez. Après, ça met fin au round hein, de gagner, de mettre un point, je crois. Que c'est long. Ah là, je vais pas vous en vouloir si vous partez, hein. Bah au moins, restez pour voir l'objet qu'on récupère. Parce que je suis curieux, en fait. Parce que c'est le seul objet unique, je crois, de la rousse, là, pour le moment, qu'on a. Le reste, c'est des armures, des armes, des trucs comme ça. Là, je sais pas ce qu'on va avoir. A crushing victory. Take this reward. I made it myself from an old ball. That's Come super. Play with us whenever you want. The local team is enraged by your score, so they won't go down easy next time. C'est genre la balle mâchouillée, c'est ça? Alors, trophée de la rousse. On pourrait croire qu'il ne s'agit plus que d'une simple balle mâchouillée par un crocopore, mais c'est bien le symbole d'une victoire éclatante. C'est bien la balle mâchouillée, ouais. 5% de chance supplémentaire de réussir une avoine par niveau de métier bûcheron. What? Alors ça, c'est super spécifique. La vache! De réussir une avoine par niveau de métier bûcheron. En plus, on choisit bûcheron, le boulot qui est le plus difficile à monter du jeu entier. Ok. Bah oui, c'est vrai que c'est sûr que ça va nous aider là, par contre. Feel like playing again? Chic. Watch out, our players really want to win this time. Bah du coup, elle va quoi? Elle va être à 100% parce qu'elle est presque maître. On doit presque être à 100% de coup. Okay. Ah, une avoine. Qu'est-ce que tu me fais? Une avoine, c'est quand on tape directement, pas quand on charge. Ah merde, je les ai mal mis. Ah merde. On va bloquer, on va protéger.
Ça, c'était prévu, il n'y a pas de problème. Elle arrive où, l'autre balle? Au même moment, ok. En fait, il faudrait que j'aille là, mais il y a ce mec sur la droite là qui me fait chier. J'ai envie de dire, on peut courir et tirer du coup. Ou alors. Ah, mais là, du coup, ils vont faire relever celui-là en fait. Ah, quoique. Non, mais pas. Ouais, c'est du pario même. Ah, super. Non, c'est pire. Là, du coup, il récupère la balle en plus. Ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est un peu pourri là par contre. Ah, chier. Et en plus. Okay, on sécurise une balle dans leur camp. Maintenant, il suffit juste d'attraper celle-là. Ah, il y a le croco qui va nous démonter. Ah merde, ah oui, c'est vrai que c'est une esquive. Ah. Ok. Lui, il va pouvoir la prendre, ça c'est chiant. Ah, mais ils ont déjà joué, ils rejouent. Oh là là, bullshit. Sans déconner. Ça, c'est bullshit quand même. Du coup, je tire ou pas? Ouais, on va tirer. Cela, c'est intéressant, on a cette balle. What? What?
Oh le bou... Oh non. Le machin, le cercle, il est là. Le mec, il la récupère, quoi. N'importe quoi. Ah, j'aurais dû prendre... Ah. Va te faire mettre, mais alors bien en plus, hein. Oh, oh mon dieu, le... Alors là... Alors là... je sais pas quoi dire là. Je sais pas quoi dire. Là, c'est le. Là, c'est. Et pourtant, les règles, ça devient du n'importe quoi. Mais là, c'est le plus bullshit qu'on ait vu là. Là, y a pas pire là. Là, y a vraiment pas pire quoi. 65% de passé, quoi. Okay. S'il me bloque pas, on est bon. Sinon, ouf, oulala. Et ta mère. Ok, t'as récupéré la balle. Combien, 80? On fait, on tire. Comme ça, le temps qu'elle retombe, elle tombera là, et comme ça, on la ramasse et on gagne. Je pense qu'on peut faire un 3 là. Un 3 points. Je pense que ça passe. Il va nous faire chier. Évidemment. Et tiens, mangez les sauvages, hein. Ah ok, ça c'est con ça. Dégagement. Bon, c'est bien ce qu'on a déjà joué. Il y a les mecs qui jouent plein de fois, parce que voilà. Putain, c'est bête que je les ai mal placés comme ça. Évidemment, lui, le mec, il la récupère, parce que voilà. Chier, j'ai plus de d'attaquants en fait. Ça va.
C'est bullshit d'avoir un crocoport avec vous, honnêtement. D'accord. Je sais qu'ils jouent en premier à chaque fois. Là, ils peuvent récupérer la balle. J'ai cru qu'il allait faire un strike. Ah mon dieu, je peux pas passer. Là, c'est un coureur, donc il va pouvoir prendre la balle. C'est chiant. Je vais avoir du mal à la passer ce match là. La passer. À cause de ce putain de truc là. Comment je vais faire ? En plus. Ah, attends. Là, on a un truc, là. Lui, il s'approche dangereusement. C'est eux qui jouent en premier, merde. Oh là là. Si jamais... Putain, c'est un peu loin de Silea, par contre. Je sais même pas si elle attrape la balle. Dis-moi qu'elle est pas trop loin la balle. Yes! Oh la vache! Ah c'était chaud. Avec leur putain de crocoport là. Cassez-vous, on a gagné. Cassez-vous! Qu'est-ce que vous faites? On a gagné! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on joue là? Bonjour. What? Le mec, il a pris les deux balles, il est... il les a tirées. Mais non, mais les mecs... ah, mais c'est énorme. Les mecs, ils font les règles au fur et à mesure que, que le match se déroule. C'est ouf. Incroyable. Alors, toi, va bien te faire, mais toi, on va... Tu vas finir en... Toi, il faut que tu finisses en brochette. Non, mais les mecs, ils créent leurs règles. Ils créent leurs règles. C'est pas possible autrement. Ouais, je suis sûr que quand on se met en position comme ça, là, on doit être à 100% de défense. Parce qu'ils nous évitent. L'équipe qui possède le plus de points à la fin du 8ème round remporte les parties. D'accord. Mais c'était pas genre on gagne quand on a 5.
Ça a changé les règles encore? Je sais pas vraiment quoi faire. De toute façon, il faut juste finir le round et on gagne. Les mecs dans le... à Vertreux, c'était... ouais, la balle en feu, il faut ou la passer ou la tirer. Ok, vous pouvez pas finir. Eux, ah, on la prend, nous on la garde, ok. Ça, sympa, d'accord. Les mecs, ils changent les règles pour eux. Puis là, là on peut... Quand on a balancé une balle, on n'a plus l'habilité d'en balancer une autre. Enfin, on a fait notre habilité, notre compétence, quoi. Ben, eux, non, ils en tirent deux. Magnifique. You set the bar very high, mercenaries. I thought a team of former trackers would give you more trouble. Enjoy your reward. It's the last one you'll get on this pitch. Putain de bande de tricheurs, sérieux. Good thing Croxwine don't... Incroyable. Incroyable. Ok, maintenant on va où? Alors là, 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 il n'y en a pas. Donc ici, là où on l'a fait, donc il ne reste plus que là. Ah non, on a fini. What? Ah, je crois qu'il en reste encore un. Attendez. Ouais, ça sert à rien de regarder là, parce que peut-être que j'ai pas visité un terrain de rousse, en fait. Donc terrain de rousse, là, deux missions finies. Terrain de rousse, deux missions finies. Attends, celui-là, il y a celui-là, là, donc Vertreuse. Terrain de rousse 2000, ça c'est Tiltren, ça c'est Vertreuse. C'est bizarre qu'il soit pas là en fait. Enfin, bref. C'est Vertreuse, ça c'est Luderne. Après il y a Greenmere, donc ça c'était le premier du coup qu'on avait fait. Quand on était arrivé. Et après on a fait Drumback. Ah bah c'est bon, on a fini. Ah oh, putain, j'ai cru que j'avais encore un match à faire. Ah bah je suis content. On va rentrer à la maison. Je suis content. Fou, on a fini. Ben voilà, c'est fini. On va mettre fin à notre épisode. Yay! Donc, est-ce vraiment le dernier épisode de War Tales? Attends, on va ajouter ça. You're not from Edoran, right? We fought those ver. Ouais, ouais, ouais. I don't sell croxwine meat. Okay. These pelts are so pristine. J'ai plus que 10 000 d'argent. C'est un peu embêtant. Faudrait que je fasse de l'argent. My grandfather was a soldier in the Edoranian Legion. He fell in. On va chanter un peu pour fêter ça. C'est parti. J'adore quand ils utilisent cette musique, c'est tellement buggé. C'est bizarre. N'importe quoi. On a fini. On a fini. On a tout fini. Mais je suis content. Je suis content. Par contre, on va enlever le truc de roost là. Mais c'est sympa que. Ouais, ils mettent ça. Sauf que bon, c'est fini. Ce qui est marrant, c'est qu'elle, elle est bûcheronne en plus. C'est marrant. C'est la coïncidence quoi. Du fait qu'elle soit bûcheronne et celle que je mets en leader et tout ça. Enfin, c'est drôle. Vire-moi cette merde. Ça c'est quoi ça? Ça c'est abîmé. Ok. Et ben voilà. Donc ça va être vraiment notre dernier épisode. Du coup l'épisode qui était un peu plus long que d'habitude. C'est pas grave. Donc ouais, dernier épisode. Mets la carte s'il te plaît, merci. Dernier épisode de War Tales pour le moment. On a fini toutes les zones. On a terminé toutes les régions. En théorie, tout à 100%. Bon, il n'y a que Drumback qui est buggé pour le moment.
je peux rien y faire. Je peux strictement rien y faire. À la limite, je regarde encore un peu sur internet si jamais... si jamais il n'y a pas un truc à faire pour débloquer le fait de pouvoir finir la tour vaillante, là. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, parce que j'ai passé quand même une ou deux heures à regarder, hein, plutôt deux même, il n'y a pas de moyen. C'est buggé parce que, voilà, c'est buggé, c'est comme ça. Si jamais ils font une mise à jour, ils corrigent ça, pourquoi pas. Mais ouais, mais en gros, pour débugger le truc, il faudrait recommencer une mission, enfin une histoire. Je crois qu'il faudrait d'abord, comme j'avais dit dernier épisode, faudrait d'abord aller à Drumback pour voir les camps, pour voir tout ça, puis après finir Luderne, puis après retourner à Drumback, en fait. Je crois que c'est un truc comme ça, quelque chose. Donc bon, c'est relou, c'est pas quelque chose que je vais faire. Mais voilà, on a terminé l'histoire. En tout cas, l'histoire est pas buggée, donc ça c'est bien. Mais ça, voilà, ça c'est lié au tavernier, et apparemment ça veut pas s'enchaîner. Ça va pas se déclencher le reste, parce qu'on a sauvé le tavernier. Enfin bref, c'est pas grave. Si jamais vous avez une idée, dites-le moi, mais bon, je suis allé parler à plein de gens et tout, et ça veut pas enchaîner, hein. Donc je pense que c'est vraiment buggé. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas trop grave. On a quasiment tout fini, du coup, on est à 99% du coup, je dirais. Si jamais... Alors bien sûr, le jeu, je vais le laisser de côté pour le moment, parce que j'ai tout fait. Est-ce que je vais faire des builds ou des guides, parce que moi j'aimais bien faire ça, parler de ce que je découvrais avec les habilités et tout ça. Faudrait que j'augmente tout le monde à 12, au niveau de 12, et honnêtement c'est un peu chiant. Après je peux un peu le power level, je peux un peu faire exprès en passant les nuits et juste en les faisant combattre, honnêtement on pourrait faire ça. Ça devrait pas être trop lent à faire ça, mais bon, c'est pas vraiment le plus fun, donc je pense que je vais mettre le jeu de côté, je vais m'arrêter là. Et ouais, si jamais ils sortent un DLC et tout ça, je plongerai dedans, parce que j'adore le jeu de toute façon. J'adore toujours le jeu. Donc ouais, à la limite, ouais, s'il y a un DLC tout ça avec... nouvelle zone qui est haut niveau et tout, on ira... ouais, ça ouais. Mais sinon, oui, on a fait le tour maintenant. On est bon. Toutes nos voies sont faites depuis longtemps. On a ça qui devrait arriver un jour. Mais bon, on verra si ça... Peut-être ça viendra avec des DLC, genre une nouvelle région et ça en plus. Le compendium, il nous manque des choses. J'arrive pas à cliquer dessus apparemment. Allô ? Il devait s'afficher derrière les voies, en fait. Le campon... Oh ! Restauration d'Alazar. Oh, j'ai oublié de faire ça. C'est sûrement un livre encore à acheter, en fait. Sûrement un livre à acheter. Au forgeron d'Alazar. J'avais complètement zappé ce système. Je trouve ce système très con. Bon, après, maintenant, il me reste encore... il me manque encore des choses. Je vais être franc, je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe. Faudrait que je regarde sur internet. Je pense que je vais regarder sur internet. Il y a des choses qui me manquent. Parce que regardez, là j'ai ça. Alors on va sauvegarder. Je vais vous montrer ma partie chargée. Enfin, avant ça, on va regarder le compodium encore. La nourriture, on a encore des plats qui nous manquent, je crois. Ouais, on a deux plats qui nous manquent. Ça, on a des huiles qui nous manquent. On a une huile pour mettre du poison sur la lame. Et je crois que ça, je ne l'ai jamais trouvé, en fait, comment la faire. À la limite, si... Ça, normalement, tout rempli, normalement. Ouais. Si jamais je trouve ça, peut-être que je ferai un autre épisode, genre les trucs qui me manquent. Mais je suis pas certain, en fait, hein, que... On va aller dans l'early access. Je suis pas certain en fait que ça existe. Je suis pas certain de ça. Donc ouais. Je pense pas que ça serve à quelque chose d'aller. Parce qu'on a fait toutes les zones et tout. Bon après je peux peut-être passer à côté de quelque chose. Il suffit de passer à côté d'un coffre qui renferme une recette et puis voilà. Mais ouais. Donc ça c'est la version early. J'avais beaucoup de chevaux à l'époque, je consommais genre 105, je suis à 150 maintenant, mais je consomme encore plus, je crois, à l'époque. Ça, c'était mon poney de combat.
Vous voyez, l'armure 127, et c'est une armure intermédiaire. Alors que maintenant, si vous êtes... Mince, c'est pas ça que je veux faire. Si vous avez les 10% et tout ça, vous faites des nettement meilleures armures, même celles intermédiaires. Elles sont mieux. Elles sont beaucoup mieux. Maître du poison. Ah, maître du poison, là pas, augmenter la puissance du poison, 1% ainsi. Par... Ben, c'est ça qui nous manque. Compagnon à pleine manie. Oui, parce que nous on a le feu et on a le feu et le saignement, je crois. On n'a pas maître de poison. Je crois. C'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Là en atelier, bon on n'a pas la torche, il nous manque encore plein de trucs. Ça c'est toutes les nouveautés. L'enclume. Ben, l'enclume, vous voyez. Là j'ai des choses que j'ai pas dans le jeu normal. Par exemple, le renfort du renard, c'est mouvement x2, plus 2. Apparemment, c'est impossible de le récupérer maintenant dans cette version du jeu. On a ça aussi, critiqué fort. Je sais pas si on l'a, le renfort du serpent. Et honnêtement, je me rappelle pas comment on l'a. Hein. Là aussi, manque des choses. Ah, on roulait pas sur la connaissance avant. Hein. Vous avez vu qu'il me manque énormément de choses. Hein. Je peux apprendre beaucoup de choses, mais j'ai pas de connaissance. Hein. Avant, c'était difficile. Hein. J'avais même pas le remède contre la peste. J'avais même pas ça. Il me manque plein d'huile. Les runes, il me manquait plein de livres. Ah ouais. Puis ils m'ont mis les gens au niveau 10 aussi. J'ai gagné de l'expérience en plus en fait, je sais pas pourquoi. Parce que même les armures et tout, elles sont pas réparées, certaines. Parce que voilà, c'était super dur. C'était super dur à l'époque. Et j'avais tout sur moi. J'avais absolument tout sur moi. Je devais tout garder sur moi. Et ça, c'était donc lui. Lui, je crois que c'était... Je prenais lui. Non. C'est lui qui boostait tout le monde. Ou pas. Ou c'est un autre. Ah, c'est Niège, je crois que j'avais fait. Avec Ovation. Ouais, c'était Niège. Et je l'ai eu super tard, lui. Et vous voyez, elle, c'était une hors-la-loi. Mais elle venait avec des spécialisations. Quoique c'est peut-être une de l'histoire qui vous rejoint. Ouais, elle a pas de traits, donc... Enfin, elle a pas de trucs normaux, donc j'imagine que c'était un personnage qui vous donnait. Enfin bref, c'était elle. Ouais, il manque des choses, il manque des choses. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Faudrait que je regarde si vraiment ils ont enlevé des choses ou pas, mais je crois que oui. Mais il manque pas mal de petits trucs. Ouais. Le problème, c'est que c'est très très... Alors, mettez-le en commentaire, je vous en supplie, si vous avez un site qui montre absolument genre tous les objets à récupérer. Genre par classe, par exemple. J'ai gagné des succès, apparemment. Bref. Casse-toi les succès, je vois pas ce que je clique. Voilà. Genre toutes les choses ici. Genre apparemment donc il nous manque le poison. Je sais pas comment on débloque le poison. On n'arrête pas d'empoisonner les gens. Donc je comprends pas pourquoi on a le poison. Je comprends pas pourquoi on a le saignement et la brûlure et pas le poison. Ça a aucun sens par contre ça par exemple. Pour l'atelier je voudrais bien savoir comment on récupère le reste. Est-ce que c'est dans le jeu ou pas. Les renforts, bah là il m'en manque. Ouais, du coup il m'en manque bien deux comparé à leur lit. Mais est-ce qu'on peut les récupérer ou pas? Ça, c'est la question. Voilà, il reste encore plein de trucs. Je sais pas. Je vais peut-être regarder ça un peu sur Internet, mais voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Donc, comme je dis, dernier de Wartell, à moins qu'il y ait une mise à jour, un truc qui débloque ou des choses en plus. Mais voilà, c'était une super aventure. Comme on a vu, hein, 240 heures dans cette sauvegarde. J'ai encore plus joué à cette version que la Early Access. Bon, c'est un peu normal parce qu'il y a une autre zone, mais même. Donc, vraiment, vraiment bien.
Très content de ça. Super jeu, je le conseille encore une fois. Et ouais, on verra ça. S'il y a un DLC, des nouvelles choses, et on se replongera dedans avec la même équipe. Ça, c'est un truc, par contre, je prie pour que si jamais ils rajoutent des nouvelles zones en DLC, qu'on puisse avoir cette zone en fait en haut niveau, genre 14. Comme ça, nous, on ira avec notre équipe de niveau 12, on ira là-bas. Parce que s'il faut refaire une équipe et qu'il faudrait en théorie se retaper le jeu, honnêtement, non, ça m'intéresse pas. Ça fait deux fois quand même que je fais le jeu en entier. Et de deux, si on peut, genre, on se met en adaptatif, je crois, c'est ça, et qu'on va à la nouvelle zone directement, honnêtement, ça va pas m'amuser, parce qu'on sera encore très bas niveau et tout ça. Même ça, c'est, même si on combat des niveaux 1 et qu'on est niveau 1, moi, ça va pas m'amuser du tout. Donc, non, pas du tout. Donc voilà. Par contre, si, voilà, donc s'il m'oblige à refaire le jeu, encore une fois, honnêtement, je prendrai pas le DLC. Non, je vais pas. Ça, je le prendrai pas. C'est ma seule condition, honnêtement. Mais si je peux récupérer mon équipe et y retourner, enfin aller dans cette nouvelle zone, oui, ça oui. Mais si jamais il faut refaire le jeu, non, 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 ça ira. Et deux fois, ça va faire 500 heures que je fous dans le jeu, c'est bon quoi, ça ira. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien à la prochaine, et ouais, sûrement à la prochaine. Moi je vais sûrement me mettre sur FF12, Zodiac Age, et essayer de le finir. Ciao, ciao.